du banc. Je suppose qu'on a envie de rentrer, on a envie de participer à la fête. Comme, quel est le moyen que vous avez trouvé pour les supporter et les motiver encore plus? Ben, on les a encouragés du début jusqu'à la fin. Donc c'est bien. Après, ça fait vraiment très plaisir qu'on soit sur le banc. Ça nous encourage à l'entraînement, à se donner vraiment à 100% pour essayer encore de progresser. Il est encore de chez moi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà. Justement, avec une équipe affaiblie, vous présentez avec un côté droit dégarni. Quels ont été les ingrédients pour surpasser ça et puis arriver à livrer une performance aussi solide? Je pense que c'est la rigueur, parce qu'on savait que si on leur offrait quoi que ce soit, le moment de petit ballon, ils les exploiteraient. Donc, voilà, c'est une équipe qui exploite le mieux le jeu rapide en B1, voire celle qui exploite le mieux. Et je crois qu'on les a contenus dans ce domaine-là, ça a été la clé du match. Et puis, deuxième ingrédient, ça a été le cœur, parce que voilà, il faut être capable de revenir deux ou trois fois dans le match. On se retrouvait à moins 3 et on a le ballon pesé et on a su y mettre le cœur et la rage pour revenir. Donc, très très fier ce soir. C'est quoi ton analyse à chaud de ce super match de tes joueurs? Ben voilà, c'est que c'était un super match. Je voulais qu'on y mette beaucoup de cœur et qu'on soit nickel dans le comportement. Et après, avec de la réussite, s'il pouvait se passer ce qui s'est passé. Donc, je pense que certes, il y a eu de la réussite, mais surtout, il y a eu la base. Et la base, ça a été un comportement exemplaire, ce qu'on a depuis début janvier. Ça fait maintenant presque 2 mois qu'on est dans cet état d'esprit. Quels que soient les joueurs qui soient sur le terrain, on arrive à afficher le même investissement. Et c'est pour ça que même à moins 3, 25, 22 sur le temps mort, je leur ai dit que c'était pas fini et qu'on était à chaque fois revenu en jouant handball. Et on a gagné en jouant handball, donc super content.